Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui je vais vous faire une danse débutante qui s'appelle Knocking Boots. C'est une danse qui a été chorégraphiée par Arnaud Marafa. Donc Arnaud Marafa nous a chorégraphié une danse qui se danse beaucoup dans les bals, qui s'appelle Ghost Town. Celle-ci, elle est chorégraphiée sur une musique de Luke Bryan qui s'appelle Knocking Boots. Donc Luke Bryan, on a déjà dansé, au début d'année on avait fait What Makes You Country, qui était donc sur une musique de Luke Bryan. Donc celle-ci, c'est Knocking Boots, donc elle fait 32 temps, 4 murs, il y a un petit restart qui sera sur le 11e mur et qui sera à 6 heures. Voilà, donc je vous fais comme d'habitude les pas, les comptes et après je vous la danse. Donc voilà, on y va, à tout de suite. Donc on y va pour Knocking Boots avec les pas. Donc je vais vous la faire de ce côté-là, ça sera plus parlant. Donc on va commencer avec la jambe droite, on va faire un toe strut du pied droit, toe strut, et pareil avec le pied gauche, toe strut. Après on va faire un V-step, donc on va mettre le pied droit dans la diagonale avant droite, le pied gauche dans la diagonale avant gauche, et après on rassemble en arrière, donc le pied droit, le pied gauche. Donc avec les comptes ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, on va faire des side touch. Donc, on va partir à droite. Un pas à droite, touch avec le pied gauche. Un pas à gauche, touch avec le pied droit. Ensuite, on va faire un pas à droite, on rassemble. Et on va faire un pas en arrière avec le pied droit. Et on va faire un touch avec le pied gauche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, un pas à gauche, touch. Un pas à droite, touch. Un pas à gauche, je rassemble. Et un pas avec le pied gauche en avant, touch. Donc ça fait side, touch, side, touch, side, on rassemble en arrière, touch, side, touch, side, touch, side, on rassemble en avant, touch. Je vous le refais de ce côté-là, avec les comptes. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une fois qu'on a fait ça, donc on est sur ce mur-là. Donc, on va faire un vine à droite. Vine à droite, donc je pose le pied droit, je croise derrière, je pose le pied à droite et un touch. Et on va faire un vine à gauche avec un quart de tour et un broche pour terminer. Donc, on pose à gauche. Je croise derrière, quart de tour, broche. Donc le broche, c'est bien avec l'avant du pied. Voilà, et là la danse est terminée. Donc je vous la refais entièrement de ce côté-là avec les comptes. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième mur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc en fait, quand on a fini la danse, on fait bien notre broche, ce qui nous permet de faire un petit élan, un petit style, broche et toe-strut, toe-strut. Donc je vous ai dit qu'il y avait un restart. Donc là en fait, je vais commencer la danse de ce côté-là quand je vais la danser. Comme ça, on pourra faire le restart à 6 heures pour que vous voyez bien ce qu'il en est. Donc le restart, en fait, on va faire toe-strut, toe-strut. Levez step, et après on va faire à droite, touch, à gauche, touch, à droite, je rassemble, derrière, et on va faire un stomp à la place du touch. Donc le stomp, ça veut dire qu'on va prendre appui sur la jambe gauche pour pouvoir repartir là, le toe strut, toe strut. Donc ça fera comme ça, avec les comptes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
la musique commence et le démarrage de la danse. This radio needs three songs to play to get me across town with you. That dress needs to slip off. That hair needs to come down. Friday nights need to do what Friday nights need to do. That's the truth. Yeah, birds need bees and ice needs whiskey. Boys like me need girls like you. In the darkness, nitty-gritty, under that pale moon. Sweet tea needs that sugar stir, and small town lights need both ends burning. Shades need drawing, hearts need falling, boots need knocking, knocking boots. Que je l'avais dans mon classeur et en fait elle a été chorégraphiée en avril 2019. Voilà, donc j'espère qu'on pourra la voir bientôt quand on pourra ressortir danser. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous, à bientôt.